Bonjour, aujourd'hui je suis chez Ifi Vauden à Grenoble et je vais vous parler comment configurer votre DS. Pendant la vidéo, je vais vous aider à configurer, donc à brancher votre DS, votre routeur et votre disque dur. Je vais vous parler maintenant comment composer votre système DS. Donc avant tout, il faut donc un serveur DS. Ici, nous sommes donc sur un Accurate DS. Deux câbles RJ45, si possible catégorie 6. Une box internet ou un routeur fera l'affaire. Un disque dur, donc réseau NAS. Et vous avez le choix entre deux systèmes de contrôle. Donc soit un PC pour contrôler le système. Ou une tablette tactile, iPad, iPhone ou iPod Touch. Nous allons commencer à faire les branchements des différents éléments. Ici, vue arrière de l'Accurate DS, nous allons commencer à brancher le RJ45 sur la box ou sur le routeur. Une fois l'Accurate DS branchée au routeur, nous allons brancher le QNAP, le disque dur réseau, au routeur. Pour résumer, nous avons branché l'Accurate DS donc en RJ45 au port numéro 1 du routeur. Et nous avons branché donc en RJ45 donc le disque dur réseau QNAP au port numéro 2. Nous allons maintenant mettre les différents éléments sous tension. Nous allons commencer par le routeur. Une fois mis le routeur sous tension, nous allons brancher l'Accurate DS. L'Accurate DS branché, nous pouvons maintenant le visualiser sur le routeur sur le port numéro 1. Maintenant, c'est au tour du disque dur réseau de le brancher sous tension. Une fois le disque dur réseau branché, nous pouvons maintenant le visualiser sur le port numéro 2. En résumé, sur le port numéro 1, nous avons l'Accurate DS et sur le port numéro 2, nous avons le disque dur réseau NAS. À partir de là, le branchement du système DS est terminé. Il suffit maintenant de se munir d'un moyen de contrôle. Ici, je vais prendre un iPad. Nous avons téléchargé préalablement les logiciels sur l'iTunes Store. Ici, nous avons téléchargé Songbook DS et Chorus DS. Avant de lancer les différents logiciels de contrôle, allez en premier sur Réglages. Puis allez sur Wi-Fi et vérifiez que vous êtes bien connecté sur la bonne box. Ici, nous sommes sur le modèle Netgear. Je vais utiliser Chorus DS. Avant de commencer, en haut à droite, nous avons trois onglets. Ici, nous avons sélectionné le serveur Accurate DS. À gauche, nous avons bien validé donc le disque dur réseau, donc Tonki Vauden. Et à droite, nous avons le choix, donc playlist, c'est le disque dur réseau, ou de mettre la radio internet.
Afin de lancer une musique, nous allons naviguer dans le contrôleur. Ici, donc, nous avons la partie musique. Nous avons plusieurs choses. Ici, nous avons album, genre, interprète, ainsi de suite. Radio Internet. Nous allons aller dans album. Et donc là, nous avons tous les albums par ordre alphabétique. Je vais maintenant naviguer par interprète. À droite, vous avez un raccourci avec des lettres. Ici, j'ai pris Eric Bibb, qui va me donner en fait tous les albums d'Eric Bibb. Ensuite, si je veux tous les albums dans ma playlist, il suffit donc de faire Addition All. Et donc mes albums se mettent sur la playlist. Puis, il suffit de choisir donc une chanson qui vous plaît afin de la lancer. Vous venez de voir comment configurer un Line DS. Chez Ifi Vonen, vous pouvez venir l'écouter ou éventuellement écouter le système HFX avec un convertisseur que vous pouvez choisir suivant vos goûts. Pour toute information complémentaire, allez sur notre site internet Ifi Vonen. Merci.